Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de 10 minutes sur. Je vais commencer par mettre ma belle chemise rouge parce que c'est ma préférée. Avec des doigts, ça sera plus pratique pour écrire. Et un petit pantalon pour être bien saillant ainsi que deux petites chaussures. Aujourd'hui, on est le 1er avril 2020. C'est donc le jour du poisson. Alors on va s'intéresser à la Révolution française. Comme vous le savez, on utilisait beaucoup la guillotine. Mais avant, on avait simplement des nœuds coulants. Et c'est comme ça qu'on a pu éliminer les premières petites copies. Oh, allez, roulez-moi tout ça en boule. Voilà. Et vous le mettez dans le coulant. Allez, encore une, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris la leçon. Voilà. Alors, celle-ci, vous allez bien me la rouler en boule et la faire tenir dans son nœud coulant, comme ça. Voilà. Au secours, au secours! Il est devenu grave que on est en danger. Il va tous tuer. Si il faut absolument qu'on s'échappe dans le ciel. Voilà, là-haut, dans l'espace, il ne pourra pas nous voir. Mais si, je vous vois. Je suis juste au-dessus de vous à bord de mon Mirage. Et j'ai justement deux petits missiles pour vous. Alors voici le premier. Allez, viens, rapproche-toi, toi, de mon missile. Et je vais t'exploser. Voilà. Allez, le deuxième. Monte un petit peu. Ouais, ça y est. Moi, je vais filer dans les nuages, comme ça, il me verra pas. Mais si, je te vois. Je suis au niveau du sol, tout en bas, et j'ai mon gros canon. Feu. Oh non, il m'a vu. Aucun de vous ne pourra m'échapper. Hé, vous m'entendez? Oh, du bateau! Du bateau! Oui, quoi? Est-ce que je peux venir avec vous? Ben oui, viens, allez, on sera à l'abri, on s'en va au large. Ah ouais? Mais vous trouvez pas qu'il est un peu étroit, ce large? Quoi, qu'est-ce que t'as? Mais regarde, non, on peut se déplacer. Ah, c'est vrai, je suis coincé. Pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin? Je crois qu'on est dans des bocales. Et les gars, vous entendez pas quelque chose? Je suis... J'ai mis mon déguisement de requin avec mon énorme aileron. Regardez ma bouche et mes dents, je vais vous croquer. Non, ne nous enlevez allez, pas j'enlève votre bouchon. Vous allez couler. Et voilà, vous ne pouvez pas vous échapper. Chut, chut, ne dis rien. Plus un seul bruit, il pourra pas nous voir. Et les copains, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que vous êtes? Je vous vois pas. Vous êtes super bien cachés. Regarde, on est là. On imite des planètes. Ouais, t'as qu'à te rouler en boule et tu te mets avec nous. Mais surtout, tu bouges pas, hein. Sinon, il va nous voir. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais mettre en petite boule, moi aussi. Je suis là. Oh non. J'ai entendu du bruit. Alors, d'où est-ce que ça pouvait bien provenir? Et qu'est-ce que c'est que ces planètes qui n'étaient pas là hier? Hé, hey, toi là-haut, je t'ai vu, tiens! Oh là là, non, il faut tirer dessus! Voilà, toi aussi! Non, non, pas non, pas lui aussi! Et toi là, je vais t'attaquer! Voilà! Il faut essayer de faire quelque chose, on peut pas se laisser dévorer comme ça! Ah, on a essayé l'air, l'eau, ça marche pas. Venez, on va se cacher au centre de la Terre. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Allons-y, là, il ne trouvera pas, c'est sûr. Hé, les copains, j'ai pas le temps d'arriver. Où est-ce que vous vous trouvez? On est là. On est caché sous la Terre. Mais je vous vois pas.
Allez enlever la terre, sinon je vois rien. Regarde, moi je suis au centre de la terre. Et moi, je suis à la limite entre le noyau et le manteau. Et ouais, c'est génial, mais moi alors, j'ai plus du tout de place. Mais vas-y, cache-toi dans la lune. Bon, ok, je vais me mettre dans la lune, mais... Ah, voilà. Ah non, plus de bruit, hein. Chut, chut, chut. Tada ! Je suis Voldemort ! Et je vais vous trouver ! Alors, où se cache-t-il ? Tiens, mais qu'est-ce que je vois ici ? C'est un volcan ! Il a l'air éteint, mais moi, je vais le réveiller avec un sang rouge ! Ah ! Allez ! Et voilà ! Les laves du volcan qui font sortir les roches du manteau ! Voilà, ça bouge, j'arrive plus à tenir ! Je suis attiré ! Ah non ! Et voilà, de moins. Allez, maintenant, on va s'intéresser à cette lune. Alors, elle m'a l'air bien suspecte. Un petit coup de fureur jaune et tu vas bouger, lune. Déplace-toi. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça bouge. Oh mince, il me voit. Je te vois. Voilà, je suis foutu. Ah. Et maintenant, le dernier. Je le vois pas. Où est-il? Il est là, caché au centre de la terre. Tu pourras pas m'attraper, tu pourras pas m'attraper. Nana. C'est ce qu'on va voir, crétin. Voilà un petit coup de sort violet, que la terre bouge. Ah mince, j'ai plus rien sous mes pieds. Oh, je vais tomber. Vous ne pourrez pas m'échapper. Pom 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 pom, je vais retourner dans la tête. Mais... qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que tu fais là, le cœur? Pourquoi tu n'es pas à ta place? Ben, je sais pas. Il y a une copie qui a pris ma place. Je sais pas pourquoi. Quoi? Une copie? Alors là, je vais sortir mon couteau de cuisine. Et je vais aller chercher du côté des poumons. Allez, commençons par couper ce premier poumon là. Et maintenant... on va couper le deuxième, là, qui m'empêche de bien voir. Oh! Mais qu'est-ce que je vois là? Une maudite copie! Ah, je vais te poignarder! Sors de là, maudite! Tu n'es pas à ta place! Allez, tiens! 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 Ah, ça y est! Allez, cœur! Remets-toi à ta place! Ah là! Ah, je me ressens déjà beaucoup mieux. Ouf, je suis la dernière, j'ai réussi à m'enfuir. Oui, ma petite, viens te mettre dans les bras de mes rayons solaires. Oh, merci, monsieur le soleil. Comme c'est agréable. Oh, mais je comprends pas. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive là tout d'un coup? Je me sens frippé. Tu ne m'avais pas reconnu, mais c'est moi. Et je t'ai eu, dernière petite copie. Ouh, mais j'ai drôlement chaud tout d'un coup. Oh, mais je brûle. Oh non, c'est pas possible. Je suis trop jeune pour mourir. Oh là là! Ça y est, je me suis enfin débarrassé de vos misérables copies qui pourrissaient ma vie toute la journée. Je suis enfin libre. Je vais pouvoir me détendre, me reposer, penser à autre chose. Ah mais non, je vois déjà le prochain tas de copies. Allez, mon chat, vas-y, attaque les copies. Allez. Non. Oh. Allez, mon chacha, vas-y. Allez, énerve-toi un peu, là. Regarde les copies. Oh là là, qu'est-ce que c'est méchant, une copie. Allez, attaque-les, mais bouge un peu.
regarde, regarde ça. Regarde comme elles sont méchantes, ces copines. Non, non, lâche la main. Lâche la main, lâche. Lâche mon doigt, allez. Ah, oh, mais non. Mais allez, me prends les copines. Ah, punaise, t'as ça. Ah.